Écoutez les quatre propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. Nous commençons la visite du centre-ville. B. On m'a volé mon parapluie. C. Quel temps magnifique! D. Vous pouvez monter dans la voiture. Écoutez les quatre propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. Votre coiffure est presque terminée. B. Votre commande est déjà arrivée. C. Votre rendez-vous de demain est annulé. D. Votre robe est bientôt prête. Écoutez les quatre propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. J'ai acheté des fruits. B. Je n'ai plus rien à vendre. C. Je ne fais pas les marchés. D. Je vous conseille ces légumes-là. Écoutez les quatre propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. À quelle heure commence la soirée? B. Comment seras-tu habillé pour la fête? C. Où se trouve le rayon musique? D. Vous venez souvent danser ici? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. La femme qui s'occupe des évaluations nous a dit que Hiba avait un petit problème avec la compréhension des questions. Et elle a eu du mal à comprendre quelques questions, pas la totalité. Ils vont nous rappeler pour nous envoyer à une école qui est tout près de notre logement. Qu'apprend-on sur Hiba? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Merci, professeur. Une émission qui raconte l'histoire d'un mot ou qui explique un point de grammaire. C'est une émission quotidienne. J'ai donc besoin d'une idée par jour. Posez-moi vos questions sur tv5.org, par courriel ou par cybercaméra, ce que certains appellent une webcam. Je vous répondrai, si je peux. Ah, merci. Merci qui ? Merci, professeur. Que demande le présentateur au public ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse.
qui est fantastique dans ce métier, c'est qu'on voit ce qu'on crée. C'est-à-dire que si j'allais au bureau tous les matins derrière un ordinateur, malheureusement, je ne créerais pas grand-chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me lève le matin, je pars d'un produit. Déjà, on arrive au produit, il faut avoir une exploitation, il faut avoir des bêtes, c'est pas, voilà, c'est pas toujours évident, mais on part d'un produit, on en fait un autre produit. On le valorise, on crée quelque chose. Tous les jours, on crée quelque chose et on amène quelque chose aux gens. Sa fierté, c'est son fromage, l'artisan. Qu'est-ce que l'intervenante apprécie dans son métier ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour. Modou prend son rôle très au sérieux. Aujourd'hui, il s'exerce à présenter le journal télévisé de la toute nouvelle chaîne Télé-École. Au programme, des émissions éducatives, littérature, histoire, science. C'est important de transmettre des informations concernant l'éducation par les jeunes parce qu'on partage le même langage et on nous comprend bien, entre jeunes, on se comprend bien. Aux manettes de cette télé, des étudiants uniquement. Ils sont quand même encadrés par des professionnels, des passionnés qui aiment avant tout transmettre. Quelle est la particularité de cette chaîne de télévision ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Au Brésil, Lionel possède sa propre société. Dans ce drôle d'immeuble de São Paulo, c'est sa petite entreprise. Donc voilà, la boutique Uveline, la première, toute première. Ici, on vend des chemises, des robes, des chapeaux, toutes sortes d'accessoires. A priori, rien de révolutionnaire, a priori seulement. Nos produits filtrent au moins 98% de la radiation UV. Donc il y a du t-shirt un petit peu sport. Et oui, les vêtements de Lionel protègent du soleil, des rayons ultraviolets, le tout grâce à un traitement spécifique. Un vêtement santé, et pour le style, direction le sous-sol. Quelle est la spécificité des produits créés par Lionel ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Et j'allais dire à mon prof de lettres, Monsieur Jacques, j'ai envie de faire Kain. Il m'avait dit non. Je pense que il avait déjà monté l'ours de Tchekhov à un exercice d'élève. Il m'avait dit si j'étais vous, je tenterais peut-être ma chance au théâtre. Je me présenterais au conservatoire. Je rentre à Paris, je me présente au conservatoire, je suis pris élève, je suis pris comme stagiaire à la Comédie Française. Mon père a dit c'est vraiment un métier d'une facilité incroyable. Voilà comment ça a démarré. Qu'est-ce qui a poussé cet homme à faire du théâtre ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Les ruches citadines se multiplient un peu partout dans le monde et Paris n'échappe pas à la règle. On en trouve partout, sur les bâtiments les plus prestigieux de la capitale, mais aussi chez de simples particuliers. Parce qu'elles sont à l'abri des pesticides et autres engrais, les abeilles ont fait des villes un de leurs terrains de butinage favoris et c'est tant mieux, car il y a urgence. Je suis apiculteur depuis 1960. Des abeilles, on en perd, disons, une colonie ou deux chaque année. Mais depuis 3 ans, chaque année, c'est un tiers de mon cheptel qui meurt. C'est pas normal. Qu'est-ce qui facilite l'installation de ruches en ville ?
Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Zazou, c'est le terme mauritanien pour désigner le plastique. C'est aussi un nouveau moyen de gagner un peu d'argent pour certains habitants de Nouakchott. La municipalité rémunère désormais la collecte des matières plastiques, un projet social et écologique initié par une ONG française qui sous-traite à des coopératives de femmes. Qu'apprend-on au sujet du projet Zazou ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Alors on entend beaucoup dire que la numérisation c'est la fin du livre papier, la fin des bibliothèques. À mon avis c'est une faribole, car on peut dire au contraire que accéder à plus de livres par l'intermédiaire de son ordinateur, c'est d'avoir envie d'autres livres sous forme papier. Le toucher du livre, l'odeur du livre. Vous savez bien que l'odeur du livre, c'est très important. Nous avons tous le souvenir de lectures qui restent attachées à une certaine senteur d'un ouvrage. Enfin, je n'ai pas besoin de plaider pour le maintien du livre papier. Il va durer. Que pense la personne interviewée de la numérisation du livre ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Il faut une politique d'investir dans l'enfant. Vous avez parlé du cercle investir dans l'enfant. C'est-à-dire que chaque enfant puisse à la fois, quelle que soit sa situation familiale, famille aisée, famille pauvre, famille cultivée, famille moins cultivée, famille monoparentale, famille... Que tous ces enfants qui ont chacun un trésor en eux-mêmes, puissent avoir les mêmes chances. Par une combinaison de l'aide à l'enfant et de l'aide aux familles et de notre école maternelle qui est d'ailleurs très bonne. Puis ensuite, il s'agit pour l'école primaire et l'école secondaire de prévoir des possibilités de discrimination positive dans les milieux où l'échec scolaire est le plus important. Que préconise cet intervenant en matière d'éducation ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Tout d'abord, notre première illustration donc, de sujet à propos des médias panafricains. Les médias responsables et indépendants sont évidemment un prérequis de ce juste État. Ils sont le garant d'élections libres, d'un système politique, économique et administratif responsable, d'une démocratie vivante, d'une société de progrès, en un mot, ils permettent de faire progresser le développement. Je souhaite de toutes mes forces que ces travaux puissent nous conduire à l'élaboration d'une charte commune qui fixerait les droits et les devoirs d'une presse libre, garantie par des États de droit. Voilà, c'était donc Louis Michel, le commissaire européen au développement, lors d'une réunion en septembre dernier, même d'un sommet de l'Union africaine, et il s'est exprimé à travers, à propos des médias. Que pense Louis Michel des médias ?